coopération entre la Banque africaine de développement et la République du Congo remonte aux années de sa création avec l'adhésion du Congo à celle-ci. Le financement des premières opérations a commencé en 1974 et à la date d'aujourd'hui, c'est un montant global de 1,750 milliards de dollars qui a été mobilisé pour soutenir le développement du Congo. Au titre des résultats obtenus, on peut citer entre autres la construction de 407 km de route bitumée avec la réalisation d'un pont majeur de 385 mètres de long sur le fleuve Niari. Plus de 900 km de réseau à fibre optique pour relier le Congo au Cameroun et le Congo à la RCA ont été réalisés. Il a également attendu la construction de 275 km de lignes électriques haute tension, sans compter l'aménagement des zones agricoles et le développement de chaînes de valeur agricoles. Le portefeuille actif actuel comporte 10 projets pour un engagement de 346 millions de dollars pour renforcer les infrastructures économiques, à savoir les routes, l'énergie, la télécommunication et aussi le développement du capital humain et des capacités institutionnelles.